Vous voyez, c'est naturel, mais c'est soft. Et puis, ce qu'on fait, on va venir sur les pointes pour vraiment, vraiment voir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Germaine, comme vous le savez. Je me présente d'abord, je m'appelle Virusa Germaine, je suis femme et mère de deux enfants. Et si vous voyez mon visage gonflé, je viens juste de me réveiller. Je fais ma routine, vous savez déjà que j'évangélise toujours la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je conseille des familles, je donne la parole vraiment qui réconforte et qui conseille. Aujourd'hui, alors, je viens ici devant vous, comme vous le savez, j'ai des vidéos que j'ai partagées, les astuces beauté, les astuces comment faire pousser les cheveux, comment traiter les cheveux. Donc, je me suis dit, laisse-moi aujourd'hui revenir devant vous pour vous présenter comment faire un bain d'huile. Parce que les gens, ils nous voient avec des beaux cheveux, ils croient que ça vient comme ça, ça ne vient pas comme ça. On traite les cheveux pour avoir des beaux cheveux. Donc, premièrement, je vais vous dire que les astuces beauté et astuces cheveux, je le ferai en français comme ça et beaucoup de gens peuvent profiter de ça. Premièrement, je vais vous dire des choses très importantes à faire dans la vie. Moi, j'aurai 32 ans et je fais une chose très importante que j'aimerais aussi partager avec vous. Je prends les vitamines. Je prends les vitamines. J'ai oublié mes vitamines qui s'appellent Centrum. Et je prends aussi les vitamines D. Je prends aussi j'ajoute aussi extra vitamine C. J'ai arrêté de prendre les collagènes. Mais vraiment, je crois que tout le monde peut aller voir avec son médecin ou bien voir sur Google pour voir quelles sont les vitamines qu'ils peuvent prendre. Parce que si tu as déjà eu 30 ans, c'est vraiment très important de rajouter. Et ça, c'est mon vitamine D. Je l'ai ici parce que souvent, je les prends la nuit. Mais le Centrum, je les prends les matins. Donc, ils sont en bas. Donc, c'est ça. Ce sont des choses vraiment très importantes. OK. Je voulais venir devant vous avec ma coiffure que j'ai passée avec toute une semaine. J'évite de manipuler mes cheveux pour ne pas avoir beaucoup de pertes. Donc, je viens ici avec ma petite coiffure pour vous montrer aussi, vous n'avez pas besoin de manipuler votre cheveu. Donc, voilà, je ne vais pas vraiment peigner beaucoup mes cheveux. Non, 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 c'est pas important, c'est pas très important. Ce que je vais faire, je sais pas si vous allez voir, c'était comme ça. Ok. Ici aussi, j'avais fait des twists que j'ai juste inversé en faisant. Peut-être que j'aurai même le temps de vous montrer comment faire des coiffures protectrices qui protègent vos cheveux. Et qui vous aide à rester vraiment chic pendant toute la semaine, sans même aller gaspiller votre argent. Voilà, je finis de, je finis d'enlever. Justement, étant comme ça même, je vais alors commencer mon traitement. Je vais commencer avec cette huile que je fais moi-même. J'utilise tout ce que j'utilise, je le fais par moi-même et du coup je les vends. J'utilise aussi, je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Premièrement, dans mes cheveux, j'ai juste, pour les shampoings, j'ai juste deux alternances. Ok, je suis membre de Forever. Si je n'utilise ça, parce que je dois les commander. Peut-être que c'est trop tard, je vais faire mes shampoings et je me rappelle que j'ai oublié de commander.
Donc, je cours tout simplement au supermarché pour acheter ça. Il faut toujours avoir des alternatives. Si je n'ai pas les shampoings de Forever, j'utilise ce shampoing et je mets ce conditioner, bain de crème. Donc, mes favoris, c'est ça. Ça traite vraiment bon, bien les cheveux. Et après, mes shampoings, j'utilise ça comme mon huile pour cheveux et je les vends aussi. Et ça, ce sont des huiles végétales que je mélange pour faire mon bain d'huile. Ça, c'est le beurre de karité vraiment pur que j'utilise pour hydrater tous les jours mes cheveux. Du coup, quand je me suis coiffée très bien, j'utilise ça pour garder mes cheveux hydratés parce que je garde la coiffure et puis quand je vais juste un peu arranger, je spray ça pour que ça reste vraiment bien hydraté. Donc, c'est tout ça que j'utilise. Je vous montre tout. Peut-être tout ce que je fais, ces huiles que je fais moi-même. Donc, le beurre, je le vends aussi. Et les shampoings de Forever. Je suis membre de Forever. Du coup, je vends ces produits, leurs produits. Donc, c'est ça. On va juste commencer maintenant. Ça, c'est mon huile pousse-cheveux. Qu'est-ce que je fais? Je mets, des fois, ça me prend du temps pour les spray. Et puis, moi, je ne vais pas perdre le temps. Je le mets ici. Comme ça. Pas sur les ongles, je le mets comme ça. Avec mes, je commence, je prends du coup. Je masse correctement. Du coup, il me reste encore. Je masse, oh, ça commence à brûler. Oui, tu sens des piqûres quand ça rentre. Waouh, je le sens. Ouf, juste après première application, tu le sentiras. Quelque chose rentre. Du coup, ok, oh, ça fait même du bien. Ok. Je masse. Oh. Je masse. Vous voyez, quand je masse, ça finit complètement sur mes doigts. Je prends. Vous voyez, j'applique comme ça. Je vais venir ici. Hein. Je masse. Vous voyez, il ne me reste plus aucun huile sur mes doigts. J'aime alors me concentrer ici. Parce que souvent, je fais des coiffures protectrices que je dois vraiment tirer mes cheveux. Et du coup, quand vous tirez beaucoup vos cheveux ici, devant, ça a l'impression de disparaître, quoi. Tu vois, mais moi, mes cheveux, ça reste parce que je le fais souvent. Je le fais au moins trois fois la semaine. Et vraiment, c'est vraiment très bénéfique pour avoir des cheveux qui vont pousser chaque fois. Donc, les cheveux continuent. Je crois que vous pouvez même voir que vraiment, vraiment, j'ai fait quelque chose dans mes cheveux. Essayez de mettre les ongles, utilisez ça. Oui. Waouh! Ça pique. Directement, je vais faire quoi? Je vais maintenant commencer le bain d'huile. En commençant, alors, le bain d'huile, je me protège parce que ça peut. Oui. Juste, j'ai juste mes twists. Je vais vous montrer pour. Ça, c'est mes huiles. Ce sont des huiles végétales que je mélange. Il y en a quatre. Oui, il y en a quatre que j'ai mélangées. Qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Je fais ceci. Et du coup, je viens appliquer sur
en bébé. Vous voyez? Je vais répéter ça pour... Vous voyez comment je fais? Je ne manipule pas les cheveux. Donc, peut-être que toi, tu aurais commencé à peigner tes cheveux, séparer quoi. Non, je le fais directement comme ça pour ne pas, pour éviter de perdre beaucoup de cheveux. Avec ça, j'ai fini. J'entame le deuxième. Waouh. Ça, ce sont des cheveux naturels. Pourquoi ça ressemble comme... C'est vraiment très... Ils sont vraiment soft. Soft, c'est comment? Ok, ils sont vraiment soft. Vous voyez, c'est naturel, mais c'est soft. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on fait, on va venir sur les pointes pour vraiment, vraiment... Wow. J'ai commencé par le cuir chevelu, maintenant je viens. Donc, je fais comme ça. Je vais répéter la même chose pour tout. Et voilà. Comme vous voyez, ce n'est vraiment pas très important de peigner les cheveux. Juste les arranges avec tes doigts comme ça et puis tu vas appliquer l'huile. Waouh, vraiment. Il faut, tout ce qui est important, c'est de savoir quelles huiles mélanger qui vont vraiment pénétrer dans tes cheveux et qui vont apporter la brillance. Ils vont fortifier tes cheveux en même temps. En les laissant, je sais pas, léger ou quoi, soft. Oui, ça ne va pas se casser vraiment facilement parce que tes cheveux sont nourris. Il faut toujours insister sur les pointes. Que c'est vraiment haut. Ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Ça ne prend que vraiment maximum. Ça te prendra 20 minutes au maximum. Et voilà. Il ne me reste que peut-être un à faire. Et voilà, je viens juste de terminer mon bain d'huile. Oh my God! Comme vous le voyez, vous pouvez vous-même voir la différence. Vous voyez, quand j'ai commencé à faire la vidéo, mes cheveux étaient comme secs parce que ça faisait toute la semaine que je gardais ma coiffure. Et voilà, maintenant, ça faisait toute une semaine. Je vais alors nourrir encore mes cheveux pour qu'ils redeviennent encore hydraté, fort, tout, vous voyez. J'ai même pas fait mon shampoing, mais vous voyez quand même que ça a l'air d'être nourri. Qu'est-ce que je fais après? Ce que je fais après, je vais prendre un simple sachet. Je vais utiliser ce sachet. Je commence à faire quoi? Je commence à attacher mes cheveux. J'ai toujours tout ce qu'il faut pour arranger mes cheveux. Oui, c'est sûr que des fois, je trouve que je manque quelque chose, mais toujours avec moi, je garde des choses comme ça. Et toujours avec moi, je garde des pinces comme ça. Toujours, oui. Donc, je vais d'abord attacher mes cheveux. Je vais venir les attacher. J'attache. Ça et je viens attacher l'autre ici comme ça
Waouh. Oui, et puis après, je mets, vous voyez, ça c'est un sachet. Je vais le mettre d'abord. Ok, je n'ai plus besoin de la sauna. Ok, ça va vraiment chauffer dedans. Ok. Je commence avec un sachet. J'attache très bien. Et après un sachet, qu'est-ce que je fais? Laisse-moi venir. Ici. Voilà. Oh. Les cheveux vont vraiment être nourris parce que quand ça va chauffer, le sang va circuler et ça va accélérer la pousse de cheveux. Donc, les cheveux vont être vraiment très bien hydratés. Après, je vais mettre mon bonnet. C'est comme un sachet aussi. Je viens mettre mon bonnet. Bon. Je finis avec mon bonnet. Devinez, je vais passer toute la journée comme ça, en cuisinant, en arrangeant la maison, oui, en faisant tout. Donc, en faisant tout, donc, je n'ai pas encore terminé. Vous voyez ça? Ça a vraiment l'air d'un coton. Je viens, puisque je vais vraiment que ça va accélérer le chauffage. Ok, je vais mettre ça. Je fais comme ça. Oui, je fais comme ça. Je dors avec un bonnet comme ça tous les soirs. Donc, quand je fais mes traitements, j'utilise un pour renforcer. Je viens. Ok. Devinez. Moi, je passe toute ma journée comme ça. Quand même, je suis aussi propre, aussi je fais mon traitement à l'aise. Oh my God! On est 9 h du matin. Donc moi, je passe toute la journée comme ça. Devinez, je prends ma douche du soir, like 8 h du soir, like 10 h du soir, 21 h, 22 h. Et puis, je vais venir donc faire mon shampoing. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment faire mon bain d'huile. Donc, pour traiter vraiment bien le cheveu, en même temps les hydrater, ça va fortifier vos cheveux. Et puis, en même temps, l'huile que j'ai appliquée sur les racines, courchevelie, ça va vraiment accélérer la pousse des cheveux. Voilà, ayez toujours l'alternance pour vos produits. Moi, mon préféré, c'est ça. Tout le monde le sait. Même mes vidéos, déjà, j'utilise ça souvent, souvent. Quand je n'ai pas ça, peut-être j'ai oublié de commander, peut-être c'est en rupture de stock, j'utilise ça. Ça, ce sont des produits aussi des Indiens. Comme vous le savez, les Indiens ont vraiment une bonne chevelure. Ils savent bien traiter leurs cheveux. Du coup, j'utilise ça. Et c'est vraiment trop différent. Si tu as les cheveux épais, si tu as les cheveux, ça dépend de type de tes cheveux. Moi, je prends Smoothen. C'est ces shampoings hydratants Smoothen qui lissent les cheveux. Du coup, moi, j'ai les cheveux lisses. J'ai les cheveux qui sont naturels. Ça a tendance d'être vraiment fort et full. Quand j'utilise les shampoings lissants, ça va aider à soften mes cheveux, à adoucir quoi, oui, adoucir mes cheveux. Comme ça va être vraiment facile à manipuler. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous dirais, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne. Je ferai des photos aussi excuse-moi, je ferai aussi des vidéos pour la beauté. Je vous montrerai les produits que je mets sur mon visage, sur mon corps. Du coup, j'ai changé tous mes produits quand j'ai eu 30 ans. Oui, parce que je veux vraiment entretenir ma peau. Pourquoi? Parce que dépendamment de l'âge, on doit changer les produits qu'on met. Dépendamment de l'âge, on doit changer nos vitamines. Donc, mes chers, restez avec moi, peut-être je partagerai
aussi beaucoup plus avec vous pour qu'on apprenne ensemble. Voilà, n'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de partager, s'il te plaît. Et si tu n'as pas encore, tu t'as pas encore abonné, abonne-toi, je vous aime. Merci bien, bye.